Et salut tout le monde, c'est Jean-Bloc et on se retrouve pour ce 26e épisode du Let's Play d'Assassin's Creed 4 Black Flag. Et on s'était laissé un peu ici, parce qu'on voulait pas lancer la mission, donc on a coupé un petit peu plus tôt l'épisode, j'allais dire le live, tellement habitué à faire des lives, que forcément je me perds dans ce que je dis, tout ça. Mais donc oui, on a ce... On avait cet épisode à faire. Donc oui, je suis dans la continuité du précédent épisode, comme j'ai dit dans le précédent épisode. Petite accumulation de fatigue ces derniers temps, donc si vous me voyez bâiller, moins réactif et tout ça, c'est normal, c'est la fatigue. Je crois même que je vais me coucher après cet épisode. Je ferai un peu tôt quand même. Regarde-les, ces traîtres. Quand je pense au nombre de fois où j'ai dû supporter les grands airs de cette ordure d'Hornigold, ça me rend malade. Ma foi, vous êtes un homme de principe, capitaine Hornigold. Un homme auquel je pense pouvoir confier mes meilleures idées. Patience, on survivra à ça, Charles, sans perdre la face. Eh bien, quelle assurance. Tu m'as l'air d'avoir ton idée sur ce qu'on doit faire. Nassau est fini, on n'y peut plus rien. On doit filer d'ici ce soir, on se retrouvera à mon campement. Ça me va, qu'est-ce que t'as prévu? Les Anglais ont débarqué leur matériel là-bas. Si on leur vole suffisamment de poudre et de poids, on pourra les charger dans un navire avant de l'envoyer sur les vaisseaux du blocus, pour les réduire en miettes. Ouais. On prendra le navire de Rackham. Il a jamais su s'en servir. Je ne veux pas te contredire. Bon. Toi, tu vas voler la poudre, et puis moi, je m'occupe de la poix. D'accord. On va voler 4 barrettes de poudre. Le plus proche est là, juste à côté. Oh non, mais vas-y. On va faire attention quand même, hein. Pas très fut-fut le mec. Allez, on va voler le baril. Ok. Sortir par là? Ouais. On peut pas sortir par là. Bon, tant pis. On va sortir par où on est entré parce que... Ah, oui, c'est vrai que... Nous, être rapaces, dépouiller les gens, comme ça, comme ça... Ah ouais, mais il y a encore une zone interdite, là. Mais ça va, les gars. Le détenteur de l'entrepôt, la clé de l'entrepôt. Et quel entrepôt?
D'accord, cet entrepôt-là. Disperse. Putain. J'étais presque. C'est chiant ça. J'étais en train de récupérer la clé. Vas-y, on va aller là-bas. Tant pis. Oh. Mais les gars, je suis plus dans votre zone. Cassez-vous là. Quoi ce délire? Non mais. Oh, joli ça. Ah, c'est... J'ai cru que j'ai. Le problème, c'est vraiment les trucs en haut. Flingué là-haut. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Hein, les gars? Ok. Les mecs, ils ont envie de faire des trucs chelous là-haut. Faites des trucs chelous là-haut. Moi, je vous juge pas après, hein. Vous faites ce que vous voulez. On s'en fout. On vient chercher ce qu'on voulait. Et après, on se casse. Avec un petit bonus quand même. Voilà. Non mais... Est-ce que c'est pas celui... Ça a l'air. Ah ouais, c'est, je crois que ça reste le délire avec l'entrepôt là.
Ah, dommage. What? Tiens, vas-y. Ok, on va passer par là. C'était là la clé, hein, qu'on n'a pas pu récupérer. Après, on a un baril là-bas. Ok, lui. Voilà. On va faire ça, comme ça ils vont tous foutre sur la gueule. Oh oh. Oh ça va. La discrétion d'un homme. Ah c'est délirant. Comment je les ai brain là. Petite diversion et on n'en parle plus quoi. Allez viens petit. Je vous dérange pas, hein, les gars. Vous vous battez, vous foutez sur la gueule, moi... Voilà. Le mec, démerdez-vous, foutez-vous sur la gueule, moi, c'est bon, je finis mon truc, hein. Salut. Allez, à plus en LAN. C'est loin, au fait. Non, ça va. Eh, franchement, vous avez pas kiffé, là, une petite infiltration comme ça? Ah. Vous faites quoi, les gars? Allez, les gars, c'est traîné. C'est ce maudit chanvre. Lieutenant! Chut. À vos ordres. Le Commodore craint qu'une révolte n'éclate. Nous avons ordre de couler chaque maudit bateau pirate qui mouille dans ce port, ah. Ce soir. On va désobéir au gouverneur? Je vous ai donné un ordre, soldat. Vous allez prendre position sur le galion et attendre les instructions du Commodore. Suis-je clair? Aye, sir. Quelle charogne du bas monde. Quelqu'un devrait aller gorger ce Commodore avant qu'il puisse transmettre ses ordres. Tu es sérieux? Sinon, on sera coincé ici. D'accord, je m'en occupe. Le Rome vous a rendu fou. Je vais pas vous aider à tuer le Commodore, pas un des hommes du roi. Ah, il aurait pu le tuer. Hein. Tenter la fortune. Vas-y, je bouge pas d'ici. Parce qu'en vrai, Suivez le mouvement et montez à bord. Le commandeur a du travail pour vous.
On va passer par là. Comme ça, eux, ils me font pas chier. Ok. Vous avez rien vu, les gars. Je suis là. Ah putain. Non mais sérieux, j'ai pas que ça à foutre moi de devoir être. Suivez les gardes, mais comment? Comment je les suis? Ok, j'ai pas le choix. Ah, c'est pas eux que je dois tuer? C'est le bateau en lui-même. Ok. J'ai compris. J'ai utilisé ma flèche pour rien. Je le concède. C'est pas par là que je peux... Mais je grimpe pas où, moi? Mais si, c'est par là. Mais grimpe! Bon bah, il veut pas grimper par là. On va bien trouver un autre moyen pour monter. Mais je croyais que c'était par là, moi je me dis... Ça va passer crème... Donc ça a pas l'air d'être par là non plus... Mais je veux grimper! Mais sérieux, c'est quoi ça?
Il y a une petite capacité à grimper, là. Tu veux que je grimpe par où, là? Enfin. Faut aller le tuer, là. Il a 3000 km. Il arrête pas de bouger aussi. C'est alors, heureusement qu'il n'y a pas du temps, parce que franchement, je serais coincé. Hein. Je serais foutu pour un bon moment. Mais oui, là, le truc, c'est que bah, forcément, là, on n'a pas le choix, parce que bah, monsieur veut couler tous les navires pirates. Voilà. Le gouverneur nous a accordé un pardon, Commodore. N'as-tu aucun respect pour la parole d'un homme ? La vérole obscurcit ta raison. Pourquoi se démener à sauver de telles crapules ? Vous êtes des parasites, vous vivez sur le dos des gens honnêtes. Un peu comme vous. On prend exemple sur le roi Georges, rien de plus. Garde ta place, paysan. Tu m'as peut-être ôté la vie, mais tu te trompes si tu crois que la tienne en sera meilleure. As-tu encore quelque chose à ajouter ? Sans ce païen de gouverneur Rogers, je t'aurais fait pendre à tes propres mâts, espèce de larve. Ton heure arrive. Ouais, si tu veux. Ok. Aérien. Bah, tu m'étonnes, j'ai sauté dessus. Bah, salut les gars! Je viens de tuer votre gouverneur, là, je sais pas quoi. Ah. Elle explose? Et hop. Ok. Oh, c'est réglé. Non, ouais. Ça va. On revient tranquillement. On a fait notre petite affaire. Bien sûr, on a tué le mec. Voilà. On va pas. Assassiné plutôt, on dirait. Ouais, là, t'as une grosse zone rouge. T'as... Là, je sais pas, c'est quoi la mission scénario. Il y a des coffres à faire. Est-ce qu'on n'irait pas chercher les coffres, les manuscrits, trucs comme ça? Genre, il y a un manuscrit là dans le coin. Oh le. Eh. J'aime bien ces petits trous là-dedans. Je sais pas ce que vous en pensez là. Franchement, des fois, les roulades comme ça sont pas mal. Hein. Voilà. Oh, on va faire ça tranquillement. C'est des épisodes chill. En plus, ouais, vu que j'ai pas énormément le temps, on fait des petits trucs. Parce que là, si je vais m'engager sur une autre quête, ça va être compliqué. Elle est là. Vous la voyez. Hein. Elle nous a pas vu. Hein. Merde, elle nous a vu. Oh, y'a connasse! Reviens. Non, elle s'envole vers d'autres cieux.
Ouais, bah je sais pas, elle est passée par un endroit. Moi je me suis fait avoir, regardez. Voilà, il a fallu qu'on glisse. Mais bon. On n'est pas assez doué pour glisser. Il n'y a pas des coffres à faire dans le coin ? Si. À gauche. On a besoin d'un peu de thunas. Vous avez vu tout ce qu'on a dépensé pour nos épées là ? Forcément, on est en dèche là. Donc moi j'essaie de trouver un peu d'argent un peu partout. Comme ça on se rapproche au fur et à mesure de l'endroit où on doit aller. Non, pas ça. C'est parfait, non ? Ah, il y a un manuscrit dans le coin, je suis loin là. Il y a ce manuscrit là. Oh, il y a une chanson là. Faut qu'on fasse le chant là. Juste discrète. Bon, bah, la chanson attendra. Il y a un messager. Ok, bon. Il est où ce con ? Tu vas pas me faire faire le tour là quand même ? Mais merde. Bon, descendre au sol. Parce que il va bien descendre quelque part. Calme-toi, Germaine, là. L'autre s'excite là. Il m'a amené au bon endroit. Quoi ? Adieu, petite partition. On t'aimait beaucoup. C'est fou, on te connaissait même pas. C'est triste. Non, c'était de l'autre côté. Oui, elle est partie, la partition. Mais bon. Ouais, on va s'amener du côté de truc. C'est vrai que là, en fait, je me rends compte que les épisodes vont être un peu plus courts que d'habitude. D'habitude, on fait 35 minutes, mais là... un petit 30 minutes... pour quelqu'un qui est pressé... qui est pressé un peu. Hop. Bon, ça veut pas dire pour autant que je bâcle les épisodes, bien sûr. Bon, tu me diras, là, c'est vrai, ben, j'ai pas envie de lancer une autre mission que je sais que je continuerai pas. Encore, tout à l'heure, j'aurais peut-être dû lancer la mission, elle aurait été à cheval sur deux épisodes, mais ça aurait pas été trop grave. C'est là, en plus, ça. D'accord. Bon, on va s'arrêter là, tranquillement. 30 minutes, ouais. D'habitude, c'est 35. On se rattrapera sur les prochains épisodes. Là, c'est vrai que pour vous, là, vous le savez pas, mais il est 23h, donc ça commence à faire tard. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir par les moyens habituels, le like, le commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis, nous, on se donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Ciao, bye bye.